La Norvège appelait à ouvrir des annexes de ses universités en Algérie. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Bidare, a reçu en audience l'ambassadrice du Royaume de la Norvège en Algérie, Thérèse Løkken-Reisel, a annoncé le ministère dans un communiqué dans lequel il détaille quelque peu le contenu des discussions entre le ministre Bidare et son invité de marque. Selon le même communiqué, les discussions entre les deux parties étaient axées sur l'idée d'intensification de la coopération et des échanges entre les universités algériennes et norvégiennes, et ce, dans divers domaines. Kamel Bidare s'est disposé à intensifier et à développer la coopération bilatérale entre les deux pays, à travers notamment le jumelage entre les structures universitaires algériennes et norvégiennes. Mieux que cela, et signe d'une volonté d'approfondir les relations entre l'Algérie et la Norvège, dans le secteur de l'enseignement supérieur, Kamel Bidare a appelé l'ambassadrice de ce pays scandinave à Alger à ouvrir des annexes des universités norvégiennes en Algérie. Pour sa part, l'ambassadrice de la Norvège en Algérie n'a pas manqué de rassurer sur la qualité des relations entre les deux pays et d'exprimer sa volonté d'élargir la coopération dans plusieurs domaines d'activité.